Bonjour Tatiana. Bonjour Alors, Philippe. moi, je recommande votre chaîne parce que je la trouve drôle, je la trouve intéressante. Et puis, tous les jours, ou presque, je crois, il y a une nouvelle, c'est ça? Oui, j'essaie de. Ben, disons qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. Donc, à chaque fois, j'essaie de me dire que je vais tenir ma promesse et plutôt parler de la Russie. Mais voilà, je suis rattrapée par des événements, donc je fais mes commentaires un peu loufoques, oui, un peu humoristiques, même si on va dire que la situation ne se prête pas trop au rire. Mais bon, voilà, c'est mon choix et je suis, on va dire, l'idée de ce grand philosophe que les Russes connaissent, donc qui s'appelle Zadorné, qui dit que ben, quand on rit, on a moins peur. Donc du coup, voilà, je représente les choses, on va dire, oui, sur le côté humoristique, mais j'essaie de prendre des exemples que tout le monde puisse comprendre, voilà. Donc oui, c'est un peu loufoque, c'est un peu drôle parfois, c'est un peu triste, mais bon, la situation elle est comme ça. Et j'essaie de faire donc des commentaires un peu décalés tous les soirs, voilà. Et j'essaie aussi d'en parler aussi en parallèle. Et alors, Tatiana, vous avez peur? Puisque Ben non, vous me puisque je dites ris. oui, Quand on mais rit, on a peur. sinon vous auriez peur, sinon? Oui, je peur. Parce que Peur selon de moi, quoi? l'Occident aujourd'hui, vous savez, quand vous avez une grosse bête dangereuse hein, qui est mise sur la route et qui est en train de mourir, ben, la meilleure chose de faire, c'est de s'asseoir à côté et d'attendre qu'elle meure. Il faut surtout pas arriver pour la toucher. Voilà. Donc Comment aujourd'hui, s'appelle on va cette dire, bête? ben, cette Comment ça? bête, et là, c'est un peu l'Occident. Voilà, l'Occident aujourd'hui tel qu'il est aujourd'hui dans sa façon de faire un peu, on va dire, c'est une énorme boule de savon financière et autre, on va dire, qui est prête à exploser. Et il faut la laisser se poser tout seul. Voilà. Elle veut pas mourir, donc du coup, elle veut absolument avoir une guerre et, par tous les moyens, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit l'Iran et les autres, donc on va dire les pays obscurantistes. Eux, ils veulent surtout pas, comment dire, toucher à la bête. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est de rester patiemment assis à côté. Et la bête, oui, tant qu'elle n'est pas morte, elle est dangereuse. Et on ne sait pas ce qu'elle peut encore nous préparer. Voilà. Mais Oui, c'est mais comme ça. Tatiana, nous sommes tous des Occidentaux. Oh, bah, je suis aussi, hein. Donc, moi, je fais partie de cette bête. Oui. Mais l'intérêt, c'est aussi, c'est de... On n'est pas des gentils. Non, on n'est pas des gentils, des Occidentaux, même si on essaie depuis toujours, toujours, nous expliquer qu'on est des amours bah, démocratie, liberté, fraternité, sororité maintenant, enfin, ou non-définitivité, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. Mais bon, oui, on essaie de passer par des gentils, mais on ne l'est pas. Et le fait déjà de se l'avouer à soi-même, de dire que non, enfin, je dirais, il faut qu'on arrive à s'ouvrir et respecter d'autres et n'a pas dire que nos valeurs, notre pensée, nos envies sont universelles, c'est déjà un premier pas. Oui, même si on fait partie. Je ne pense pas que j'arriverai à changer le monde. Je ne pense pas du tout. En tout cas, j'ai pas cette prétention-là. Mais si j'arrive déjà à me changer moi et peut-être un peu mettre, comment dire, une petite puce à l'oreille des gens qui m'écoutent et de dire que, vous savez, peut-être une autre vision du monde peut être possible. Ici, en plus, je peux le faire d'une façon rigolote. Oui, parce que ici, on peut en rire de les catastrophes qui se passent dans le monde. Bon, ben, voilà, comme je dis, on a un peu moins peur. Et le rire, vous savez, c'est le meilleur moyen pour vaincre la peur. C'est Ouais, grâce à c'est vrai. aujourd'hui que tous les autres là, qui nous dirigent, qui s'en sortent. C'est Mais vrai, si on a moins ouais. peur, ben ils auront beaucoup moins à s'en sortir. Voilà. C'est Donc vrai. moi, je dis, le rire aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de vaincre tout cette grosse bête là qui est couchée, qui rêve sur le bord de route. Voilà. Alors, comment Mais s'appelle quelle est... la chaîne? Alors la chaîne, elle a un nom très original. Voilà. Elle s'appelle Tat, comme le début de mon prénom, et puis là, après la Russe. La Russe, donc on attachait la Russe. Ce qui fait, et là j'avoue que je suis un petit peu, comment dire, pas très honnête, parce que quand on écrit la Russe, les gens qui viennent déjà sur ma chaîne, on va dire qu'ils sont pas trop trop pro-ukrainiens. Donc je me facilite un peu la tâche. Je pritrie un peu mon auditoire, voilà. Mais bon, voilà. Parfois, il y en a qui arrivent et qui dans ce mettent plein d'insultes, trolls, poutiniennes, hitlériennes, ou je sais plus quoi. Hein. Mais là, je suis contente, contre tout, parce que là, tous mes abonnés, ils s'agitent dessus, et là, on s'en fait plein. Et tout, Alors, naturellement. il n'y a pas de commentaires méchants? Non, vraiment, franchement, les commentaires que j'ai, ben, c'est toujours les mêmes personnes qui me Sympa, laissent des commentaires, qui sont très encourageantes. Et c'est vrai, ça fait énormément de bien d'avoir des commentaires.
parce que d'être toute seule dans cet énorme océan, je veux dire YouTube, comme ça, plonger dedans, dans le noir et essayer de naviguer, surtout avec une chaîne qui a extrêmement du mal à définir, parce que je parle de politique, je parle de ce qui se passe dans le monde, mais tout ça, ils sont totalement, pas dire rigolotes. Enfin, même, c'est, oui, il y a beaucoup de gens qui disent si je parlerais plus sérieusement, peut-être que je pourrais, on va dire, mieux être écouté. Mais en même temps, les gens qui parlent sérieusement, il y en a plein. Donc oui, je parle avec de l'humour et l'humour permet de dire des choses, comment dire, permet de condenser l'information. Oui. Donc ça permet d'aller direct comme ça. Ouais. Voilà. Si vous faites des explications, on va dire, sérieuses, ben, la même information, ça vous prend 5 fois, 6 fois plus de temps. Donc du coup, ben, voilà. Eh bien, merci, Pat. Ben, merci à Merci vous. et puis bon courage. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de rigoler, ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce qui se passe dans le monde, même si c'est pas évident, Allez ben, voilà. voir la chaîne de Pat.